La déclaration qu'a faite Macron aujourd'hui, justifiant l'hommage qui va être rendu à Pétain et aux maréchaux de la guerre de 14-18 à la fin de la semaine, est absolument insupportable. Pas seulement parce que, évidemment, Pétain, qui a été frappé d'indignité nationale, a été le complice du régime nazi, de la déportation des Juifs avec le régime de Vichy, et qu'il a déshonoré la France. Et d'ailleurs, Chirac avait clairement marqué la différence de l'État à l'égard de cet homme. Mais en plus, nous sommes en pleine commémoration de l'armistice de 1918, et Emmanuel Macron choisit de braquer les projecteurs sur Pétain, alors que nous devrions avoir une parole de paix, une parole d'hommage aux millions de jeunes Européens qui ont été brisés et tués par la guerre, cette immense boucherie de 14-18. C'est cette parole-là que le président de la République devrait porter au nom de la France en Europe. Et que fait-il? Il choisit de mettre dans la lumière Pétain. C'est incroyable, c'est insupportable. Et nous allons dénoncer ce fait avec la plus grande vigueur dans les jours à venir.